Eh bien, plop tout le monde, histoire, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de quête de Brakmar. Attention, Vermisso, ta mission est très précise. Un de nos espions a volé des documents à Bonta concernant la corne d'Edfrit. Mais cet empoté a été touché à la jambe dans sa fuite. Tu dois récupérer les documents qu'il porte, peu importe ce qui arrive ensuite à ce minable. Il a commencé à fuir par la route, mais il n'est sans doute pas allé loin. Dépêche-toi, il risque de le rattraper sous peu. Ok. Pénètre dans la tour de Bonta à minuit, égorge tous ceux sur ton chemin, récupère tous les documents que tu trouveras au premier étage. Reviens ensuite à Brakmar en passant par la route. Non, ce n'est pas à vous que... D'accord. J'avais aidé un ami à faire ce morceau de quête parce que c'était buggé. C'était buggé pour lui, il me semble que c'est sur la route de la roche. Je me souviens plus. Non, c'est les champs de Cania. C'est au sud, dans les montagnes. Faut longer la montagne qu'il veut y voir. Bah oui, c'est la route, quoi. Mon chat, je sais pas trop ce qu'il fait. Il se balade un peu partout. Il fait tomber des choses. Je sais pas. Ah bah, de toute façon, faut longer la route. Donc ouais. On va trouver, c'est bon. Bah bingo. Quête terminée. Ah d'accord, c'est en deux quêtes. Why not. Ah, un allié Brakmar. Ces maudits archers m'ont bien eu. Vite, il faut retourner à Brakmar avant qu'il ne me rattrape. Hein? Tu comptes me laisser ici? Dans mon état? Je vais me faire rattraper. Tu ne ferais pas ça à un allié Brakmarien quand même. Bon, je vais t'aider. Tu ferais ça? Merci. Mais j'entends les Bontariens qui arrivent. Je vais faire ce que je peux pour t'aider au combat. Ok, bon, bah ça devrait aller. On va quand même se prendre un mal au crâne avec nous. Ah, on peut pas avoir de mal au crâne avec nous. D'accord, c'est un combat individuel. Aïe. Oula, je vais me faire défoncer, moi. Alors, je vais me faire défoncer. Comment tu veux que je... Ouais, fallait pas l'aider, fallait agir en Brakmarien, voilà. Je crois que c'est résistant à l'eau, ça. Ouais, bof. Oh, sérieux. Ouais, clé réductrice sur un crackler... Genius. Par contre, ils ont pas de flèches. Hein. Oh. C'est quoi cette quête? C'est trop dur. Ouais, ce qui arrive quand on veut être gentil. Ouais, bon, le combat est perdu. Hein. Ça sert à rien. Je peux pas me barrer en courant en fait. Pendant qu'il termine de le tuer. Non. Je suis pas la bonne dragodin. That's not. Mais j'ai même pas fait de dommage. On est au deuxième tour, le mec il est mort. Ils sont 5. Et s'ils étaient 3, 4, on aurait pu gérer, mais 5. Non, le chat. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'était un bon combat. Hein. Très fun.
pour rien faire. J'ai même pas le droit de jouer. Ils m'autorisent pas à jouer, ils font des tours de 12 tours. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. J'aurais pas dû faire ça. Vous savez quoi? Abandonner, hein. On va espérer. On va espérer. Et allez voir Automustam, ok. Bredouiller des excuses. Écoute bien ceci. Tu es aussi incapable et inutile qu'un bitouf des plaines au milieu de l'océan. Pour punir ton incompétence, tu es allé me chercher une armée de tigres de poulets. Ça te rappellera ton insignifiance et à quel point je déteste les échecs. Non, je ne parle pas du jeu, mais du contraire de la réussite, tête piou. Désolé. Par contre, il n'y a plus de musique et c'est... j'aime pas quand il n'y a plus de musique. Ouais. Alors en fait, il y avait deux solutions. Soit on l'aidait et si on échouait, bah fallait faire ça. Je pensais pas que le combat était si dur. Bah, sinon, en fait, c'est voilà, c'est simple. Hop, bestiaire. Un poulet. 11% de chance. Alors, ne faites surtout pas le combat dans ce cas-là. Prenez les documents, barrez-vous, laissez l'espion. Ouais, bah on va continuer la quête. Parce que sinon, c'est un peu court, quoi. Tomaï, village côtier, j'ai même pas la zone. Bon, en clair. Bon, allez, on va faire le trajet. On a du temps. Par contre, la musique est bien, Tomaï. Ça fait vacances. Même si Tomaï, c'est pas vraiment les vacances. C'est, voilà, il y a un petit peu des monstres partout. Partout. Et. Je sais plus où est l'entrée. Alors déjà, je sais que pour remonter, c'est par là. Ouais, d'accord. J'ai jamais fait les quêtes d'Automai de ma vie. Enfin, si, j'en avais 2-3, mais... Je me suis jamais intéressé à Automai. Faudrait peut-être que je le fasse un jour. Tom, tom, tom. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Alors, il me semble que c'est par là pour monter. Ouais. Je crois que c'est par là. Je suis pas du tout sûr de moi en fait. Si c'est là. Oh bah nice, il y a des poulets ici. Alors faut faire gaffe. Déjà, est-ce que j'ai du pain? Les cascargots, ça OS. En fait, ça pose des glyphes. Et si on commence son tour sur la glyphe, on beurre. Le souci, c'est que le cascargot sort coopération. Il change de place avec vous. Donc il se met sur une glyphe et voilà. Donc c'est pour ça que... Hop, va falloir invoquer. Et espérer que c'est pas Syria qui va se faire... qui va se faire avoir. Fichier coordonnées, le carte. Des personnages, chez la grille, et des... voilà, ce sera plus agréable. Alors, j'aimerais voir. Ça, c'est plus rentable. Quand tu en premier, cascargo. Voilà, les bonnes petites glyphes. Il échange pas de place, nice. On s'en fiche totalement de taper l'autre. Les poulets aussi sont un petit peu chiants, ça va, c'est gérable. Par contre, ça c'est chiant. Hop. Tom. Rien d'insurmontable. Enfin, quoi que ça dépend de votre niveau après. C'est vrai que j'oublie de penser à chaque fois que les quêtes sont à un niveau plus bas que je le suis.
Ça va tellement être hardcore quand je vais faire les quêtes 90 à 100. Qui seront des quêtes, je pense, pour un niveau 200. Puis en Kama, les développeurs qui sont en train de se dire faut qu'on gère. Parce qu'ils peuvent pas sortir de la merde en fait. Faut que les quêtes finales soient intéressantes, amusantes, plein de choses que celles actuelles ne sont pas forcément. Il y a des quêtes intéressantes, il y a des quêtes amusantes, et il y en a qui sont juste très chiantes. Qui sont juste mal faites. Qui n'ont pas lieu d'être. Et niveau 1. Bon, j'espère au moins que je vais choper l'armée de Tic maintenant, ce serait bien. C'est bien, au moins il y a un coin sur certaines maps, il n'y a pas de coin, donc j'ai été un peu... Ils auraient juste eu à tourner, vu qu'ils me retirent ma PO. Ma PO et mes PM, je peux pas taper, je peux rien faire. Hop, deuxième drago. Nice. Alors, hop. Je vais pas mourir contre ça quand même. J'ai pas mon dos coco. Si, j'ai mon dos coco. Il devrait me soigner normalement. Ah voilà. Nice. Ah voilà. Allez, allez, tuez-le. Oui, c'est bien. Et lui, il termine pas. C'est compliqué, hein. Bon, normalement, c'est bon, hein. Oula. Oula. J'ai failli une balle. Ah, mais tic, nice. Au premier combat, tu vois auto, je suis plus fort que toi. Alors, raclure de fientes de crotte de troule, ta nouvelle mission te convient? Bien, maintenant que tu as compris qu'il vaut mieux ne pas me décevoir, l'avenir, tu réussiras les missions que je te confie. Isoule. Donc sur ce, la quête est terminée, je vous conseille vraiment de faire la version courte qui dure 5 minutes au lieu de la version longue qui dure 15 minutes. Donc sur ce, je vous dis bonne journée à tous, c'était Tori, bisous bisous.